soupçonnait de tous. Qu'on savait quelles atrocités se déroulaient, mais ces preuves sont si horribles qu'elles sont presque surréalistes. On devrait se réjouir de ces photos. Elles révèlent que l'ennemi cherche à nous déshumaniser. Enterrer les corps des Américains dans une fosse commune ne fait qu'accroître notre révolte. Si le gravier et la terre étouffent leur voix, on parlera pour eux. Le monde connaîtra leurs histoires. Les morts auront des noms tant qu'on se battra en leur mémoire. Notre terre nous reviendra. En ce moment même, la résistance sème les graines qui nous apporteront peut-être un jour la victoire. Vous venez d'entendre la voix de la liberté. Bon, ben, nous voilà sortis de nos cadavres. Vous soignez cette blessure. Blessure de qui? Ah oui, de Teddy. Teddy Winner. Il s'est fait toucher. Genre, il n'en a toujours pas soigné, tu sais. Ça fait 3 ans qu'il s'est fait toucher. Mec, il aurait dû se faire vider de son sang depuis. Bon, c'est pas grave. Je sais, je fais du bon boulot moi. Toujours. Conduisez prudemment, c'est genre c'est ce qui va nous. Truc, on est en pleine guerre et on va crever. Accident de voiture. LOL. Enfin bref, c'est pas grave. Ouf, des petites montagnes. Swag. Tuning Jackie. Néon dans la voiture. Quoi? J'ai rien compris. Ah, c'est pour moi alors. Entendu. On va ouvrir la voie pour Goliath, ok? Et ensuite, on s'arrange pour trouver ce convoi de carburant. J'espère que vous êtes prêts à planquer ou racler à ces enfants. Yeah, je suis avec la biatch. Ta gueule, toi. Suivre Rihanna. Putain, les mecs, ils sont pas fait chier, quoi. Rihanna, quoi. D'autres sont en route. Tenez bon jusqu'au feu d'artifice. Moi, je préfère Rihanna, quand même. Il a pris une cuite. On dirait qu'on lui a foutu une claque quand on lui a mis la peinture, t'sais. Genre tiens, je tra. Sa gueule. À quelle heure je peux sortir mon arme, t'sais? Ils ont tous le droit d'avoir leur petit fusil là, ils sont protégés, moi non. Allez vas-y quand même blaireau. Non, j'ai rien à toucher, non non. Je dois attendre qu'il me donne mon arme. Imagine, c'est un bug. Hop. 360. Genre serein, moi, il court pas, il marche tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Trop forte, Rihanna. And my umbrella. Et là. Et là. Et. Ce qui est trop bien dans ce jeu, c'est qu'on est vraiment des ouf en fait. La dernière fois, on était dans juste avant de tomber dans les cadavres, on était dans le camp de nuit, on les a attaqués. Là, pareil, il y a 50 000 personnes, on va les attaquer. Ouais. Non, je peux toujours pas tirer. Hein. Non, interdit. Oh, du noz. Ah yes, pour mon scout. Le phosphore blanc. Ça démonte. Wow, putain, j'ai eu trop peur. Oh, c'est énorme son truc. Ah, là oui. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de regarder un film de guerre qui était assez sympa, juste là avant de ce matin là, avant de faire un petit match sur, comment dire, sur MW3 avec les Eresia, qu'on a gagné d'ailleurs.
j'ai regardé un film qui s'appelle Green Zone. Donc c'est un film de guerre avec Matt Damon comme acteur principal. C'est filmé à l'épaule pour ceux qui savent ce que c'est. En gros, c'est pas des grands plans de vue, c'est plutôt des... On est vraiment dans le combat, quoi. C'est très rapproché comme plan de vue et c'est assez sympa. Donc pour tous ceux qui aiment les films de guerre, je le conseille vraiment. Très très bon film de guerre. Et ça me fait penser un petit peu là en front à ce film là. Donc ça parle de la guerre en Irak avec tous les complots et tout qu'il peut y avoir là-dessus. Le pourquoi du comment on est allé là finalement et tout. Sympa. Merci, tu sais. Le mec il nous tire dessus, tu sais, ça me bat les couilles. Oh, cette session que j'ai pris. Peggy 18. Hey, je suis en train de me faire cramer. Non? Pourquoi j'ai genre du. Ah, il s'est fait cramer aussi, je suis pas le seul. Je peux pas aller plus vite que ça. Aïe aïe aïe, c'est trash. Ce jeu il est vraiment gore par contre. Le moins de 18 il mérite, là j'avoue. Oh, esquive, man. Yeah. Hip hop. Bah allez, lève-toi, fais pas ta pédale. Allez, suivre. T'as la meuf, elle est quand même cool de m'attendre. Moi, je me serais cassé. Oh. Oh, mais lui, le pec est de retour. Allez, le serein. Oh, j'étais pas sûr, mais si. Oh. Hop là. Je tire un peu à la vague, vous voyez, on voit des petits éclairs au niveau des balles. Et franchement, il est pas moche le jeu, quoi. Enfin, je sais pas. Je le trouve pas moche, moi. Wow. Oh, je me fais plus. Oh là, aïe 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 aïe. Oh. Pire que le pulsion, ça. Il bouge lui, non? Oh! Aïe aïe aïe! Ça c'est fait. Enfin, je vais juste vérifier que j'enregistre bien ma voix parce que si je fais tout ça pour rien. Eh oui, c'est bon, j'enregistre. Oh là là, ce qu'il a pris le mec! C'était assez sympa ça, t'es. On va où là-dedans? Ouais. Wow! Pourquoi il est. Éliminé, hop! Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Wow! Oh, ça va! Voilà, cadeau loulou! Oh là là! C'est monstrueux ce truc! Oh là, le carnage! Oh, allez, tiens, un cadeau. Headshot. Yeah, bitch. Allez, laisse-moi tirer avec Goliath. Ah, j'ai des gros aussi, hop. Hop, refonctionne. Hop là. Tiens. Franchement, moi, j'aime bien ce jeu. Je sais qu'il a pas eu, qu'il est pas mal critiqué, qu'il a pas eu de très bonnes notes et tout. Enfin, moi, je le trouve sympa. C'est un peu de la boucherie quand même, voilà, c'est pas souvent, c'est souvent répétitif quoi, les mecs ils arrivent, on les démonte, mais au niveau, j'aime bien l'aspect graphique du jeu, je trouve qu'il a une identité à lui, tu vois, il est pas, tu vois, genre bien parvu, non mais il a vraiment une identité à lui, je trouve qu'il est pas, comme tous les autres jeux, trop réaliste au point qu'ils se ressemblent tous un peu trop quoi. Celui-là je trouve qu'il y a un petit dessin style, peut-être Chen Shiling, pour ceux qui savent que c'est, genre un peu... au jeu Naruto DBZ, enfin il y a un petit effet comme ça qui est, moi je trouve très sympa. Après bien sûr c'est mon avis personnel, vous en pensez ce que vous en voudrez. Et pour un jeu que j'ai payé combien, 8 euros et encore je suis même pas sûr, voilà quoi, moi je trouve que ça vaut le coup. Hop. Il y a des jeux que j'ai payé 50 euros et que sur lesquels j'ai moins joué que celui-là quoi. Des jeux que j'ai mis une fois dans ma play, j'ai joué 2-3 fois et il me faisait déjà chier quoi. Donc, le problème c'est que j'ai plus de balles de sniper là, donc hop. Ah mais j'aurais dû camper avec ça, c'est pas grave. Hop.
J'aurais pas dû venir ici. Donc on va repartir là-bas. Hop. On va prendre Goliath. Voilà. Cadeau. Visez le Humvee. Hop là. Hop là, je suis vraiment un tueur. Si le mec à l'armée, tu faisais autant de frags que moi, mais. Il y aurait. Oh, je me suis fait écraser, quel bâtard. Il y aurait besoin de, je sais pas, 3 gars comme moi pour gagner la guerre, quoi. Bon. Non, mais attendez. Je vais quand même le garder parce que si trouve, au bout d'un moment, ils vont me filer des petits. C'est quoi cette arme? Non, je vais reprendre. Voilà. Visez avec quoi? Ah ouais. Wow, wow. J'ai pas eu le temps de réagir et je suis en train de sélectionner mes armes tranquillou, tu sais. Genre normal, c'est la guerre, mais bon, on s'en fout. Je vais ranger mon Infar 3 pendant le petit temps de pause. Donc j'ai Spec Ops The Line en attente là, donc j'ai toujours pas commencé à y jouer, mais il faudra que j'y joue. Et je vous ferai une petite vidéo, mais je pense à un walkthrough là-dessus. Allez bien. À quelle heure? Voilà, putain, mais ça met 10 ans, hein, Goliath, à tirer. Wow, wow, qu'est-ce qu'il y a, toi? Baisse-toi, il m'énerve, mon pote. Il m'empêche d'utiliser mon champ de tir. Hop là, tiens, cadeau. Wow, là, il y en a un peu trop. Dégage, toi aussi. Hop là, lance IUM. Quel tour, celle-là? Laquelle? Et elle est où la tour? Si c'est celle-là, il n'y a personne dedans. Hop là! C'est un peu comme les prédateurs de Call of quoi dans les missions. Tu prends rien qu'avec ça, tu pourrais gagner la mission quoi. Oh là là. Pire que Face Vortech, mon bonhomme. Hop là! Ah merde! Je l'ai. D'où il est dans la tour? Il est en train de monter les escaliers, je l'ai poutré, tu sais. Hop, hop, je vais regrouper, hop, je peux pas passer par là. Yamakasi, je vais crever quoi. Allez, venez tous là. Allez, il va défoncer la porte le pec là. Oh, dommage, il me déçoit même. Hein, c'est pas ça qu'il faut faire. Hop. Putain les mecs au téléphone, tu sais, vous pouvez compter sur moi, bouclez là et faites votre boulot, t'sais. Sympa, merci. Bah, dépêche-toi toi, parce que je crois qu'il faut que j'attende que tu passes pour pouvoir passer. Seul gros défaut du jeu pour moi, dans tous les jeux de toute façon, de devoir attendre les bots pour pouvoir avancer quoi. Pouah, folle. Combien de victimes est-ce qu'on a fait là-bas? Vous connaissez non. Les risques. Non. TG toi, c'est la guérilla. Tu prends rien là. Un truc qu'on a piqué au coréen. Je vais tirer dans les dents. Bah. Ça devait pas se passer. Pète les chicots. Le pec il s'en fout lui. Comment ça se passe ou pas, il pète tout le monde. Ouais. Nose, ah yes. Allons-y. Le carburant. Je sais pas pourquoi, c'est encore une histoire de pétrole ou quoi. Hop, on va tenter ça. La grenade est pète et go. On va les rusher ces pédales. Tiens. 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 Il y a un hélico. Oh, caray. Oh, s'il y avait ce fusil à pompe hein, à réseau en Call of, ça serait une tuerie. Oh, oh. Mensonge. La grenade qui me pète dessus, quoi. La PM coréenne est redoutable, mais les 770 vous tourneront si vous osez les regarder. Ah ouais. Pas cool les 778. Non, les 718. 778, qu'est-ce que je dis? Les 718 qui sont pas gentils.